Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui de Coliseum. Mais avant tout, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai créé. Voilà, ça fait déjà un petit moment. Donc c'est ce t-shirt. Voilà, il est disponible et vous pouvez l'acheter sur internet. Ils sont au prix de 20€. Le lien sera soit là, juste au-dessus de moi, soit dans la description. De toute façon, il sera dans la description de base, mais en plus, je vais essayer de le mettre juste au-dessus de moi. S'il y a plusieurs couleurs disponibles, et c'est un petit partenariat avec le site qui les propose. Et ils m'ont dit, si tu veux vendre des t-shirts, tu peux les mettre. Et je me suis créé une petite boutique, vous pouvez aller voir. Et voilà, pour ceux qui ont envie. Les t-shirts sont à 20€, ils sont de super qualité. Celui-ci, pour tout vous dire, je l'ai depuis presque un an. Et vous pouvez voir de près, j'ai perdu aucune couleur. La qualité est vraiment superbe. C'est pas un bête t-shirt comme on a l'habitude de voir, avec un bête imprimé. C'est vraiment, c'est pas une impression, c'est incrusté dedans. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, vraiment, c'est des t-shirts de très haute qualité. Et pour les personnes qui m'ont demandé pour voir s'ils pouvaient en acheter, voilà, comme ça, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais vous proposer ma première vidéo de Coliseum, donc avec mon Feka, avec le Eka Flip de Bounty, et avec Ossi, qui est malheureusement pas en vocal, mais qui joue un Xelor, et qui est avec nous au Coliseum. C'est un Coliseum raccourci, comme je vous l'avais expliqué, donc avec tous les meilleurs moments, et du coup ça vous fait un Coliseum d'une 6-7 minutes, donc je pense que le format est pas mal. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage! Mais je comprends jamais l'Exelor, c'est un truc de dingue. Mais c'est bizarre, il tape à côté et ça le bouge. Mais oui, c'était les portes, oui, c'était les portes. Le mec, il est mort. Oh putain. Ah, tu défonces les cas. Tape de loin. Ouais, recule. Quoi, je lui fais des bluffs? Ouais. Bah, fais-lui un réflexe peut-être, non? Mais la glyphe jaune, tu peux aller dedans. Hein. Pas de problème. Je sais. Je mets de l'héros à fond. Ouais. Encore. Là, je fais. Je fais nain. Ça me saoule, mec. Non, mais en plus, on a 10 secondes pour jouer, quoi. Non, après, j'arrête après. Hein. Ça me saoule. Mais c'est Taillon. En plus, Taillon, il y a trop moyen quand on tombe contre lui en colis. Ah bah oui, glyphe gravitationnel, PD. Tu vas au Goulta, t'es même pas au courant. Grosse merde. Ça, c'est un pire glyphe, Excel peut mouvre. La bite. Oui, c'est un mec, il a 38% de résine. C'est quoi? Vole lui du tac avec ses sorts Feka. Mais le pire c'est qu'il nous prend pour un con, c'est ça le truc en fait. Feka cancer. Eh oui. C'est moi. Et du coup. Chance-toi et tape le steam. Biceps sa chance. Oh joli. Oh joli. T'as vu, hein, premier combat de colis, fait qu'un cancer. Mais oui. Ouais, c'était obligé, ça. Oui. Et ça court. Et ça court. Mon chat. Il s'était pété. Je comprends rien. Je comprends rien. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Oh, 700. Il va pas le tuer. Il a 6 PA. Il va faire quoi? Nous on défonce le Steam. Je comprends. Le shit du Xel. What? Et boum! Je vais venir te protéger et Là il va heal. Il va heal, mec. Regarde ce heal de gros porc. Hein. What? En plus il a contre-coup, mec. Secourisme. Attendez. Encore une fois, non? Non, c'est une fois par personne, je crois. Trèfle. Chance, je vais prendre la bite. Non, non, mais lui, il peut pas avoir trèfle. Non, non, mais l'autre. Oh, 50 dommages. Essaye d'aller taper l'autre. Faut rusher les cas. Rush les cas.
Oh! Oh! Encore? Eh bon! C'est quoi ces putains de dégâts? Alors, attention, je vais comprendre. Téléport, il gagne 2 PA. En fait, là, il le met en état téléfrag, si j'ai bien compris. Et quand t'es en téléfrag, tu prends genre la bite. Tu vois? Ah! Pouf. Et il a encore. Ah, il a perdu le contre-coup. Ouais. Regarde ça, mais c'est pas. C'est une de ses puteries, mec! Mais après, elle joue bien. Ça, on peut pas lui retirer. Non, tu joues bien en faisant ça. Tu me dis comment tu veux jouer bien en spammanté. Oh! Elle a pas une critère. Putain, ce qu'elle t'a mis! C'est très tente. En fait, Fekka, c'est devenu Xel. Voilà. Et Xel, ouais. C'est devenu Yop. C'est pour ça, ouais. Il gagne 2 PA. Pourquoi il gagne 2 PA? Ah, par contre, les dégâts de merde, c'est. C'est. Ah! Les... On fait deux rayons obscurs! Ah, tu m'expliques comment? Ah, tu bouges. Salope! Bon, là, j'ai travaillé pas mal. Est-ce que tu peux finir? Oui. Tu pourras pas avec ta glyphe. Encore? Et bon. Et voilà! Je sais pas quoi faire. On va invoquer. Et ça crit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il te donne la puissance. Ah ouais. Et toi tu fais quoi là? Ah non, ça aide. Tu vois, elle peut pas venir à mon cac. Elle peut te tuer peut-être avec libération. Non, non, non. Mais non, regarde, elle peut pas venir à mon cac. Ah si. Comment elle va... Oh la pute. Elle a bien joué. Mais t'avais pas immunité? Non, si, mais immunité que au cac. Que à distance, j'aurais dû le faire au cac aussi. Ouais, je suis con, j'aurais dû faire les deux. Mais oui, je filme tous les combats et puis je fais des moves genre quand on les tue et des trucs comme ça. Je rembourse le portail. Et boum! Mais mec, je comprends rien. Démotivation maintenant qui fait des dégâts. Oui. Et ça rage. Le fait qu'à cancer. Et n'empêche, pour le premier colis, on tombe contre un gars du Goulta et tout. C'est pas mal. Mec, il fait tellement sale. Mais j'ai tué quelqu'un en jeu. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh! Mec, elle va pas gagner! Mec, elle va pas gagner! Ah, un nouveau truc. Oh. Il est mort? Ah! Ouais! Et voilà! D'accord, non mais oui, hein. Tu et voilà! Il y a 5 millions, putain. Et boum! La première victoire! Et quoi maintenant? Et quoi maintenant? Les gens du Goulta vous défoncent, nous! Relégeant, c'était bah voilà mon premier combat de Coliseum. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros pouce vers le haut en dessous de la vidéo. Un petit commentaire pour peut-être me dire ouais, t'aurais peut-être dû faire ça et tout ça pour que je puisse m'améliorer parce que voilà, mon FK, j'ai vraiment du mal. Vraiment à être pesant avec, j'ai l'impression de faire chier mes coéquipiers plutôt que de les aider. Et je sais qu'il y a un gros problème de dégâts sur le FK, je m'en suis rendu compte. Après le combat, en fait, pour tout vous dire, j'avais oublié de mettre mon carotte plus mon pourpre, donc petit problème, il y avait un peu moins de dégâts. Et j'ai fait un gros misplay là au moment où je suis mort. Je sais très bien que j'aurais dû mettre bastion et rempart, peut-être que j'aurais survécu, enfin soit. Ça arrive, hein, mais bon, comme ça, comme c'était ma première victoire, mon premier combat tout court, j'ai pris 600 de cote et là, je suis à 1846 de cote, donc c'est assez énorme. Et ben voilà, je suis super content, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, les amis. Ciao, ciao!